à toi je cède. Oh Jésus, à toi je cède. De tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré, Jésus, je viens. Dieu vous bénisse. Prenons la parole de Dieu rapidement. Exode 18. À partir du verset 13. Ce petit ici. Ça va? Ok. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce que fait tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple s'éteint-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit.
Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Veuillez vous asseoir. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train d'avancer avec l'ordre qui est en même temps le rétablissement de l'autel, parce que nous voulons voir les dieux de Branham à l'œuvre. Nous voulons sortir du formalisme, nous voulons sortir de l'esprit des religions, nous voulons voir notre Dieu travailler comme il a travaillé dans l'église du prophète William Marion Branham. Et le prophète nous a dit que les choses qu'il était en train de nous enseigner doivent être appliquées de la manière dont il nous les donne afin de voir l'Église prospérer. C'est-à-dire, si nous ne les appliquons pas comme le prophète les donne, cela va bloquer la marche, la prospérité de l'Église. Et comme je l'ai toujours dit, vous le savez, quand on parle de la prospérité dans les églises dénominationnelles, on voit l'argent, on voit le bien de ce monde. La parole de Dieu nous a dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et nous avons compris par la parole de Dieu que la prospérité dont il est question, ce n'est pas dans les biens de ce monde, mais il s'agit d'avoir Dieu, Christ en vous, l'espérance de la gloire, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce Saint-Esprit-là qui va nous amener à agir comme le prophète a agi. Ce Saint-Esprit-là qui va nous conduire comme il a conduit les prophètes. Ce Saint-Esprit-là, bien-aimés frères et sœurs, qui a amené ceux qui regardaient William Branham à l'identifier à Jésus. C'est ce Saint-Esprit-là que nous cherchons. Ce n'est pas une histoire de tomber par terre, d'écumer, de baver, bien que le Saint-Esprit vienne aussi de cette façon-là, mais c'est la vie après. Amen, Église. On peut donner le témoignage. L'heure, les jours, dans quelles circonstances, c'est bien, ce n'est pas mal, la parole de Dieu le dit. Mais la vie qui suit cette expérience-là, c'est ça qui est très important. Et le prophète de Dieu insiste, bien-aimés frères et sœurs, il dit, n'acceptez pas un substitut. N'acceptez pas un faux esprit. Ne vous encouragez pas. Quand vous savez au fond de votre cœur que vous n'avez pas cet esprit-là, ne vous encouragez pas.
parce que c'est à vos risques et périls. Ne vous encouragez pas, parce que vous pouvez l'avoir encore même ce soir. Amen, Église. Tant que vous voyez que vous faites des efforts pour vivre comme un chrétien, vous ne l'avez pas. Tant que vous voyez que vous vous battez pour vivre la parole de Dieu, vous faites des efforts, vous ne l'avez pas. Parce que le William Branham nous dit ceci: la brebis porte la laine, la brebis ne produit pas la laine. Amen, Église. Le fait qu'elle soit brebis, avec l'esprit des brebis, fait qu'elle puisse porter la laine. Comme l'arbre porte le fruit. Amen, Église. Alors, si vous l'avez, vous n'avez pas d'effort à faire pour arrêter de mentir, pour arrêter de vivre une mauvaise vie, pour arrêter de mauvaises pensées, pour arrêter de regarder toujours les choses du côté négatif. Non, c'est le Saint-Esprit en vous qui vit sa vie. Vous direz comme Paul: ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Ceux qui vous regardent les témoigneront. Alors la prospérité, c'est cela. Et pour que l'Église arrive à cela, le prophète de Dieu nous dit les choses que je vous enseigne. Il dit dans une citation, alors que je vais avancer, je vais vous donner ça. Il dit que l'Église doit obéir aux offices. Amen. L'Église doit obéir aux offices. Les offices doivent travailler conformément à la parole de Dieu. C'est comme cela que Dieu va bénir l'Église. Mais tant que l'Église est là, il n'y a pas de respect aux offices. Frère Branham disait quelque part, il dit: écoutez, si vous n'obéissez pas au diacre, c'est à moi que vous n'obéissez pas. Si le diacre vous demande de faire quelque chose, vous refusez de faire, c'est vous avez refusé de m'obéir, moi, le prophète. Cela veut dire que vous avez refusé d'obéir à Dieu. Est-ce que vous écoutez, Église? Nous avons vu des choses graves dans l'Église. Le diacre n'a aucune valeur aux yeux des gens. Je vais d'ailleurs très loin. On commence par le pasteur. Le pasteur ne vaut rien devant les gens. Frère Branham dit: j'ai vu des assemblées parler de leur pasteur, le tourner en ridicule. Comment cet homme peut vous faire du bien? L'homme qui est censé prier pour vous, l'homme qui est censé se priver pour vous, l'homme qui est censé s'abandonner entre les mains de Dieu pour vous, pour vos enfants, pour votre santé, pour votre travail. Il dit: j'ai vu des gens comme cela, des églises comme cela. Quand une église arrive à ce point-là, l'église est finie. L'église ne peut pas avancer. Je ne suis pas encore là. Amen. Je suis en train de vous montrer la prospérité dont il est question. Quand Frère Branham insiste que les choses soient appliquées, comme il le dit là, c'est ça la prospérité. C'est amener l'église dans un véritable réveil. Amen, Église. En quoi consiste ce réveil-là? Qu'il y ait une relation personnelle et profonde entre chaque croyant et son Dieu.
Vous savez, bien aimés frères et sœurs, Frère Branham dit, quand vous arrivez à adorer un Dieu imaginaire, c'est l'adoration diabolique. Quand vous arrivez au point où vous adorez un Dieu imaginaire, vous êtes là, vous fermez les yeux, vous vous imaginez un Dieu comme cela, c'est une adoration diabolique. C'est-à-dire, vous devez arriver à rentrer en contact personnel avec Dieu. Vous savez avec qui vous traitez. Quand il n'est pas d'accord, vous savez que Dieu n'est pas d'accord. Pour ce que je viens de faire. Quand Dieu est d'accord, tu sais que Dieu est d'accord. Et Dieu te le dit, Dieu te conduit, Dieu te parle. Voilà ce que nous sommes en train de chercher. Et pour ça, Frère Branham est en train de nous montrer que nous devons nous conduire, obéir à l'ordre de l'Église, à l'enseignement, comme il est en train de nous le montrer, alors Dieu va réellement s'occuper de nous. Dans l'ordre de l'Église de 1963, paragraphe 183, écoutez Frère Branham, il dit ceci, « C'est ma responsabilité. » Est-ce que vous écoutez? « C'est ma responsabilité de vous dire ce que je vous dis au sujet des offices, au sujet de toutes ces choses. C'est une responsabilité pour moi de vous le dire. » Mais il dit, « C'est votre responsabilité à vous d'appliquer ça. » Quand il vous l'a dit, il vous a montré la volonté de Dieu. Sur ces choses, il s'est dégagé. Maintenant, c'est votre responsabilité de pouvoir vivre ce qu'il vous a dit. De pouvoir marcher conformément à ce qu'il vous a dit. En ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, l'autel que nous sommes en train d'établir, amen, va attirer le véritable feu de Dieu dans nos vies. Souvenez-nous que nous avons dit ceci, que l'ordre doit commencer par l'homme lui-même. Amen. L'homme doit mettre l'ordre de ça dans son être. Dans son âme, il doit mettre l'ordre. Dans son esprit, il doit mettre l'ordre. Alors, on verra l'ordre dans son corps. Amen. Et quand l'homme met l'ordre dans son être, vous allez voir l'ordre autour de lui. Il saura mettre l'ordre dans l'église. Il saura vivre comme il faut. Il saura marcher à la cadence de la parole. Quand vous voyez un homme avec le désordre dans sa vie, amen, dans la personne même, il y a le désordre. On doit faire très attention. Vous êtes avec moi. Et en commençant les offices le dimanche, je vous ai dit ceci, bien-aimés frères et sœurs. Je vais d'abord reculer un peu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. La Bible définit l'Église comme le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Là, il s'agit de l'Église universelle. Amen. Dans le monde entier, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit dans le monde entier. Ils constituent ce qu'on appelle le corps universel, le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a l'Église en tant que corps local. Est-ce que vous m'écoutez? L'Église en tant que corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est un corps, le corps a besoin d'une tête pour que ce corps-là puisse marcher, pour que ce corps-là puisse vivre, pour que ce corps-là puisse avoir des mouvements. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'écoutez? L'Église aussi, en tant que corps local, comme vous êtes là,
L'Église a besoin d'une tête. Amen. Parce que l'Église est un corps, l'Église vit. Suivez-moi très bien. L'Église vit. Voilà pourquoi même les gens du monde appellent l'Église personne morale. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous m'écoutez, hein? C'est une personne morale. Parce que c'est une personne, l'Église vit exactement comme une personne physique vit. En quoi consiste la vie de l'Église? Vous devez le savoir. Parce que c'est une personne à part entière, une personne qui vit. Elle existe, vous savez, l'Église comme elle est là, elle a son identité. Vous êtes avec moi? L'Église a son identité comme elle est là, elle a sa carte d'identité. Parce que c'est une personne. Elle vit. Et la parole de Dieu nous montre ceci. Les membres, les vrais membres de l'Église participent à la vie de l'Église. Amen. Les véritables membres de l'Église sont impliqués dans la vie de l'Église. C'est-à-dire la vie de l'Église, c'est leur affaire. Amen, Église. Ils doivent tout faire pour que l'Église grandisse. Comme un enfant qui vit, qui grandit. Ils doivent tout faire pour que l'Église prospère. Ils doivent tout faire pour la protection de l'Église. Ils doivent tout faire pour que l'Église puisse rayonner. Ils doivent tout faire pour que l'Église puisse avoir un bon témoignage. Et donc, tous les membres de l'Église doivent être impliqués dans la vie de l'Église. Donc, c'est un devoir. Comme on peut voir une personne en train de se laver tout le temps pour que son corps soit propre. Il se réveille le matin, il va brosser les dents. Frère Branham dit, si tu négliges de brosser les dents, tu auras toutes les dents pourries. Et tu vois une personne se lever, brosser ses dents et se laver avec un bon savon, porter des vêtements propres, soigner son corps, couper les ongles, se coiffer, s'habiller très bien, soigner son corps pour être présentable. Est-ce que c'est, vous le faites? Qui le fait qu'il lève sa main? Amen. Que Dieu vous bénisse. De la même façon, vous soignez votre corps. C'est comme ça que chacun doit être impliqué dans les soins et dans la vie de l'Église. Amen. Retenez ça bien, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu marchais, tu as heurté une pierre, que tu vas retourner chez toi à la maison, tu dis, allez, il faut m'amputer cette jambe, parce que la jambe a heurté une pierre. Non, mais tu vas retourner avec ta jambe là toi-même, tu vas chercher moi le produit, tu mets là, tu soignes la jambe pour qu'elle soit guérie. Vrai ou faux? Amen. Qui a compris ce que ça veut dire? Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Tu ne vas pas demander qu'on te coupe la jambe. Non, c'est ma jambe. J'ai fait une erreur, peut-être j'étais imprudent, je ne regardais pas comme il faut. J'ai heurté une pierre, mais je dois soigner ma jambe et continuer mon chemin normalement. C'est comme cela les membres de l'Église, les vrais membres de l'Église. Amen. Ils participent à la vie de l'Église.
C'est un devoir pour eux. L'Église doit avancer. Amen. L'Église doit rayonner aux yeux du monde. L'Église doit prospérer. L'Église doit être en bonne santé. Amen. Et la vie de l'Église, bien-aimés frères et sœurs, dans la vie de l'Église, il y a des réunions spéciales. Amen. Quand vous lisez l'ordre de l'Église, de 48, vous lisez... De 58, vous lisez l'ordre de l'Église de 63, vous lisez dans les questions-réponses et tout ça, vous allez voir Frère Branham parler de différentes réunions qui sont organisées dans l'Église. Il parle de réunions de témoignages. Amen. Il parle de réunions de réveil. Frère Branham parle de lignes de prière pour les malades. Dans l'Église, il y a des lignes de prière pour le baptême du Saint-Esprit. Dans l'Église, il y a la Sainte Cène. Dans l'Église, il y a des mariages. Il y a des naissances. Les gens peuvent tomber malades. Les gens peuvent se retrouver en difficulté, sans logement, sans nourriture, sans vêtements. Les gens peuvent manquer l'argent pour les transports. Les gens peuvent rencontrer plusieurs difficultés. Tout ça, ça fait partie de la vie de l'Église. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, tous ceux qui sont membres de l'Église sont liés par le devoir de se trouver constamment impliqués dans la vie de l'Église. Quand des gens sont malades, tu n'as pas besoin qu'on te force pour aller ou pour prier. Quand quelqu'un a besoin de l'assistance, du soutien, tu n'as pas besoin que le pasteur tape sur le pupitre, que le diacre frappe à la porte. Non. Le Saint-Esprit en toi t'enseigne que tu es concerné. Tu ne peux pas éviter ça. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, j'insiste. Le grand problème que nous avons là, c'est le Saint-Esprit. Amen, Église. Ce n'est pas toutes ces citations. Non. Que les gens arrivent au baptême du Saint-Esprit, ils vivront la vie de l'Église. Amen, Église. Que quelqu'un ait le Saint-Esprit, il saura que je dois me battre pour que mon Église puisse rayonner. Je dois me battre pour que l'Église grandisse, que l'Église aille de l'avant. Si un visiteur vient, c'est son problème. Il doit l'entourer, il doit l'encadrer, il doit tout faire pour le mettre à l'aise afin qu'il revienne, parce qu'il doit voir l'Église prospérer, s'épanouir, grandir et rayonner aux yeux du monde. Il va tout faire pour que l'Église puisse avoir un bon témoignage, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il va se battre derrière son Église. C'est là où Frère Branham montrait l'exemple, disant, les Branham se battent derrière la maison. Amen. Mais quand c'est devant la maison, c'est-à-dire devant quelqu'un d'autre, vous êtes avec moi, ils font un front commun. Amen. C'est derrière la maison, dans le secret, qu'ils se battent. Mais devant les visiteurs, devant les inconnus, ils font un front commun. Ils se protègent tous, ils mettent l'ennemi dehors, et leurs problèmes de l'intérieur, ils resteront traités à l'intérieur. L'Église vit. Amen. Je parlais ici de la vie de l'Église, les baptêmes, les naissances, Sainte Cène, des réunions de prière, des différents cultes, adorations, des choses comme cela, des gens malades, soutenir les faibles, les pauvres, les indigents. La Bible dit, j'ai mis des indigents parmi vous.
C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais on peut être à l'église, bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un peut souffrir. Mais il n'y a personne qui s'en occupe. Quelqu'un peut manquer même le logement. Tu as un salon, il peut venir dormir dans le salon. Quelqu'un peut manquer même la possibilité de venir à l'église. Nous avons des moyens. Frère, j'ai vu quelqu'un, je ne sais plus c'est où, c'est aux États-Unis ou je ne sais plus où. Il dépensait, il était seul. Il a acheté une grosse voiture comme ça. Il met le carburant lui-même. Ce n'est pas l'église qui lui donne. Il met de son carburant lui-même. Son travail, c'est quoi? Aller chercher ceux qui sont loin. Les amener à l'église. Et après culte, il les ramène chez eux. Il retourne chez lui. Il n'est ni diacre, ni huissier, ni administrateur. Rien du tout dans l'église. Mais le Saint-Esprit, là, est seulement en Amérique et dans d'autres églises, pas ici. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas un don. Ce ne sont pas des visions. Les visions, il y en a dans toutes les églises, même dénominationnelles. D'ailleurs, même les païens. Des magiciens voient des visions. Retournons à l'ordre, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Usez de l'hospitalité envers tous, surtout à l'endroit de vos frères en Christ. Nous sommes prêts à recevoir nos frères païens. Nos sœurs païennes qui vivent dans l'adultère, dans la saleté, dans des critiques, moissons, toutes, ils viennent polluer nos maisons. Vous savez ça? Je ne sais pas si vous le savez. Frère Branham disait, il suffit un soir, un jour de réunion, de prier avec une femme en pantalon. Vous avez communié avec un démon. Ainsi dit William Branham. Communier seulement avec une femme en pantalon, vous avez communié avec un démon dans l'église. Mais dans nos maisons, les membres de nos familles que nous recevons, ils ont des légions et des légions de démons. Mais nous sommes à l'aise avec eux. On va manger. Elle vient de commettre adultère dehors. Elle vient à la maison. On est là content. On rigole avec eux et tout ça. Mais un frère en Christ qui vient, on devient européen. Il est 21h. On ne vient pas chez des gens à cette heure-là. On ne vient pas chez des gens à cette heure-là. Moi, je suis fatigué, ma femme est fatiguée, les enfants doivent dormir et tout ça. Démons, païens, vous venez faire quoi à l'église encore à ce niveau-là? Vous voulez le ciel? Ce n'est pas facile le ciel, on vous a menti. On vous a fait croire que le fait de prendre baptême, vous avez le ciel. C'est faux! C'est un combat. Combat contre les esprits de ce pays où nous vivons. C'est un combat contre la civilisation. Combat contre toi-même. Tu as été élevé comme Européen. Tu as été élevé comme Africain. Tu as été élevé comme Antillais. Mais tout ça doit mourir pour que tu vives comme chrétien. Vous dites amen, Église. C'est ça la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Levez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Prenez l'épée de la parole. Taillons. Mettons dehors tout ce qui n'est pas la parole. Nous voulons le Dieu de Branham à l'œuvre. Nous voulons que le feu puisse tomber. Amen, Église.
C'est ainsi que Satan a profité. Parce qu'il a vu que les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils se sont rencontrés comme dans les anciennes églises dénominationnelles. Satan a infiltré aussi les gens parmi nous pour participer aux troubles. Créer davantage de troubles. Et l'église est là. On dirait que les gens n'avancent pas. Vous êtes là, vous voulez avancer, quelqu'un vient, un infiltré vient. Il se fait baptiser, il se fait appeler frère, il crée des problèmes, il part. Vous voulez avancer, une autre vient. Une femme crée des problèmes. C'est comme cela, pourquoi? Parce que ceux qui sont là ne savent pas à quoi Dieu les appelle. Comment ils doivent vivre pour contrecarrer cette action-là? Frère Branham dit, si l'ennemi voit que vous êtes unis, amen, il ne saura pas entrer parmi vous pour vous déséquilibrer. Et la chose qui va nous unir, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas l'union comme les gens du monde font. Non, c'est la parole. Être reposé sur la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, retenez ça. L'Église vit et les membres de l'Église participent à la vie de l'Église. Et les offices sont placés dans les églises pour aider. Amen. Vous aider à atteindre ces objectifs-là. Vous aider à atteindre ces objectifs fixés par la parole de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu dans l'Église, ce sont des hommes disponibles. Un homme ne peut pas servir Dieu s'il n'est pas disponible. C'est impossible. Il faut la disponibilité. Et sœur, j'aimerais vous dire ceci. Si votre mari sert Dieu et au service de Dieu, vous devez comprendre que Dieu vous a appelé ensemble. Vous avez pour mission d'aider cet homme à réussir. C'est très important. Un serviteur de Dieu, c'est qui? C'est ça la première chose que vous devez savoir. Remarquez que nous avons lu le dimanche, Jésus en lui-même, il était administrateur, il était diacre, il était berger, il était trésorier en lui-même. Qui dit amen à ça? Quand nous lisons Éphésiens 4, la parole de Dieu dit, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Suivez-moi très bien. Il a donné les uns comme prophètes, les uns comme apôtres, les uns comme docteurs, les uns comme pasteurs, les autres encore comme évangélistes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi il dit les uns comme? Les uns comme. Quand on dit que tu es comme telle personne. Amen. Donc, il y a la personne qui est là, mais toi, tu es comme elle. Tu n'es pas elle, mais tu es comme elle. Vous comprenez, n'est-ce pas? Tu n'es pas cette personne-là, mais tu es comme cette personne-là. Donc, il y a la vraie personne qui est là, mais toi, tu es comme. Vous avez compris? Quand la parole de Dieu dit, ils sont comme, les uns comme, les uns comme, c'est parce que le véritable, le vrai prophète, c'est Jésus. Amen. 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 Le vrai prophète, c'est Jésus. Le vrai apôtre, c'est Jésus. Amen.
Le vrai enseignant, c'est Jésus. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Le vrai pasteur, c'est Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous êtes avec moi. Donc, le vrai, c'est Jésus. Alors, il a fait des dons aux hommes. Donc, il a appelé les uns comme, parce que le véritable, c'est lui-même. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. La personne qui doit faire la chose, c'est Jésus lui-même. Parce que c'est lui l'administrateur. C'est lui le diacre. C'est lui le berger. Mais il te fait tellement confiance. Qu'il prend une partie de sa mission, il te donne. Voilà ce qu'on appelle serviteur de Dieu. Donc Dieu descend dans la multitude, malgré tes imperfections, parce que Dieu connaît ton cœur. Moi, je ne connais pas ton cœur, je ne connais pas tes pensées, je ne connais pas tes projets, mais Dieu connaît tes projets, tes pensées, ton cœur, ta vie, même la vie cachée. Même si tu n'es pas délivré, Dieu sait que tu n'es pas délivré. Mais il descend, malgré ton état, il te fait tellement confiance. Il dit, toi là, viens, moi, c'est moi l'administrateur normalement, mais... Je te donne une partie de moi. Tu vas me représenter comme administrateur. Tu vas me représenter comme trésorier. Tu vas me représenter comme évangéliste. Frère, quelle confiance! Et Dieu t'appelle à ce niveau-là, te fait confiance à ce niveau-là, et toi, tu t'opposes et tu fais le travail de Dieu avec légèreté. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Voilà ce qu'on appelle serviteur de Dieu. C'est Dieu qui devait faire la guitare. Souvenez-vous que frère Branham nous dit, l'adoration dans ce temps de la fin, c'est Dieu lui-même qui s'adore dans l'homme. Qui dit amen à ça? C'est ce que le prophète dit. C'est Dieu qui descend dans un homme, et il commence à s'adorer. Donc quand tu fais ça là, c'est Dieu qui descend en toi et il commence à se glorifier lui-même. Quand tu dis Alléluia, c'est Dieu en toi qui se glorifie. C'est ça la vraie adoration. Quand tu fais la guitare, normalement c'est Dieu qui descend et qui s'adore dans la guitare. Voilà pourquoi frère Branham dit, si tu as la révélation, tu le feras de la meilleure façon possible. Pas avec négligence, tu vas te consacrer. Tu vas méditer. Tu vas te faire violence. Tu vas respecter Dieu, c'est-à-dire éviter de déplaire en quoi que ce soit ton Dieu. Tu vas chercher à ce que Dieu puisse être d'accord avec toi, que tu sois une personne sur qui Dieu compte. Amen, Église. Voilà ce que c'est un serviteur de Dieu. Et nous avons lu le dimanche que les serviteurs de Dieu, ce sont des gens sous serment. Amen. Même si devant ici, ils ne disent pas « Je jure fidélité » ou « bien je lève ma main je... ». Non. Le fait qu'un homme soit serviteur de Dieu, il est déjà sous serment. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu, ça doit être un homme honnête, intègre, amen, qui n'est pas cupide. Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu,
L'ordre de l'Église a commencé depuis l'Ancien Testament. Jéthro est arrivé dans l'assemblée du pasteur Moïse. Il a observé Moïse du matin jusqu'au soir. Moïse en train de trancher des problèmes, en train de faire des choses du matin jusqu'au soir. Il a appelé Moïse, il a dit « Viens ». Jéthro, c'était un sacrificateur de dieux païens. Amen. Un madianite, un adorateur d'idoles. Mais il a appelé Moïse. Il a dit « Moïse, viens. La façon dont tu travailles, là, tu vas te tuer. Tu ne peux pas faire ça. Tu as des gens. Cherche parmi tes gens, les gens qui sont honnêtes, capables, avec un bon témoignage, qui ne sont pas cupides. Trouve parmi eux là, tu nommes les chefs de 100, les chefs de 10, les chefs de 1000, ainsi de suite. Tu les nommes et tu vas les laisser eux diriger, conduire des choses et tout ça, des petites choses là qu'ils le fassent. Là où ils ne peuvent pas de grandes choses, ils peuvent maintenant te consulter. Toi, tu vas les régler. Mais sinon, des petites choses là, qu'ils puissent régler ça et ils viendront te faire le rapport. Amen. Amen. Moïse a accepté le conseil de son beau-père. Et Dieu a agréé ça. Amen. Amen. C'était l'ordre dans l'église de Moïse. Il a trouvé les gens capables qui pouvaient l'aider dans ce sens-là. Et il devait non seulement être capable, intègre, d'une probité morale confirmée, connue, pas cupide, honorable. Et vous verrez que quand on va arriver dans Timothée, dans le Nouveau Testament, pour choisir des diacres, c'est à peu près le même profil qu'on va trouver dans le Nouveau Testament. Mais ça a commencé là-bas. Et quand nous arrivons chez William Marion Branham, dans l'interprétation et l'accomplissement de l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le même profil. Vous êtes avec moi? Ce sont des hommes assermentés. Ils sont sous serment. Frères et sœurs, parfois, on a pitié de gens, même des anciens, dans les églises. On a pitié, parfois même des anciens dans les églises. Quelqu'un comme ça va raconter une chose dans le coin, dans la rue, au téléphone, il parle, les gens l'acceptent. Le pasteur passe derrière la chair. Il dit non, ce n'était pas comme ça, c'était comme ceci, comme cela. Les gens croient facilement la personne qui n'est pas assermentée au lieu de croire le pasteur. Frère, même les anciens, c'est arrivé même dans l'église là. Tu parles avec quelqu'un, il dit, ah oui, frère, mais c'est ce qu'il m'a dit, hein. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce que moi j'ai dit? Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Oh! Les citations que vous lisez là, ça sert à quoi? Toute la connaissance des sceaux et des tonnerres là, sert à quoi? Vous ne connaissez pas le béaba. Que pour être là où je suis là, bien aimé frère et soeur, j'ai été ordonné avec la Bible dans mes mains. C'est comme ça qu'il y a des loups qui sont rentrés même dans les églises et ils ont pris les gens, ils ne sont pas sortis avec. Une personne qui n'a même pas été ordonnée ministre, qui va gesticuler à la chair, le tonnerre et tout ça, il gesticule, et puis il sort, les gens suivent. Il n'a aucun serment, il n'a été ordonné nulle part, parce qu'il a gesticulé. Qui est incapable de prendre même le petit Christ là?
Si je lui dis pas ceci à l'achète, il va vous lire des citations. Mais il a été sanctionné comme ministre par qui? Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple meurt par manque de connaissances. » Et tous ces gens-là sont morts, si vous ne le savez pas. Voilà pourquoi Frère Branham disait « Pasteur, quand vous parlez, les gens s'accrochent à ce que vous dites comme une histoire de vie ou de mort. » Pourquoi? Parce que les gens qui ont la révélation savent que c'est une personne sous serment. Vous êtes avec moi? Allez lire Hébreux chapitre 6 et chapitre 7. Allez lire Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Allez lire, quoi encore? Le septième sceau. Allez lire Melchisedec, le grand prince et roi. Frère Branham dit, suivez-moi très bien. Frère Branham dit, Dieu lui-même, pour montrer le sérieux dans les promesses qu'il a faites à son peuple, a juré par lui-même. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis en train de vous montrer la valeur du serment. Dieu a été obligé de jurer par lui-même parce qu'on jure par ce qui est supérieur. C'est ainsi que le président de la République va prêter serment sur la Constitution parce qu'il est en dessous de la loi. Amen. Tout ministre est ordonné avec la parole de Dieu dans sa main. Parce qu'il est en dessous de la parole. Amen. Maintenant, quand Dieu a regardé, au-dessus de lui, il n'y a rien. Voilà pourquoi il a juré par la vérité. Il a juré par lui-même. En vérité, je vous l'ai dit. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit ceci, Melchisedec, grand prince et roi. 9 janvier 55. Frère Branham dit ceci, « Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. » Amen. Le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est-à-dire quand il y a des différends quelque part, l'un dit non, il a fait, l'autre dit on n'a pas fait, il y a tout ça. Pour arrêter toute discussion, vous devez prêter serment. Frère Branham dit, en d'autres termes, quand on prête serment, c'est la fin de toutes choses. Amen. Il dit le serment, c'est ce qui donne l'assurance aux hommes pour les promesses que Dieu leur a données. Amen. Écoutez un peu. Ce qui fait que l'homme puisse avoir foi dans la promesse, ce qui fait que Dieu lui-même dit, attention, mes promesses sont infaillibles. Amen. Je tiens toujours mes promesses. Ce qui fait ça, c'est quoi? C'est parce que Dieu a fait ses promesses sous serment. Il a juré d'accomplir ce qu'il a promis à son peuple. Alors, tous ceux qui réalisent ça, qui comprennent ce que c'est un serment, quand ils trouvent une promesse de Dieu dans la parole, ils s'accrochent parce qu'ils savent que quand il y a le serment, c'est la fin du discours. Obligatoirement, la chose doit arriver. Qui peut dire amen à ça? Amen. Est-ce que vous comprenez la valeur du serment? Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, pour être pasteur, l'homme doit être assermenté. Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui réalisent ce que c'est un pasteur dans leur vie, la parole du pasteur est un absolu.
Il peut y avoir confusion, les gens disent, les gens parlent et tout ça. Tout le monde dira, non, non, qu'est-ce que le pasteur lui dit? Amen. Amen. Margaret Osafo. Ce jour-là, j'ai dit non, 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 que Dieu te bénisse. Tu te souviens que tu as prononcé cette parole dans ta bouche? Tu as oublié? Moi, je n'ai pas oublié. Amen. Alors qu'on était quelque part là derrière, on parlait ensemble, tout le monde a parlé, tout le monde a donné son point de vue, tout le monde a... La sœur était calme, la tête inclinée. Donc il a dit, mais moi je vais écouter ce que le pasteur va dire. Amen. Frère Osafo, tu te souviens de ça? Amen. Oui, oui. J'ai rigolé, j'ai dit, en tout cas, il y a des gens qui savent. Non, tout le monde a parlé, tout le monde pouvait dire tout. La sœur était calme, en train de rigoler, rigoler, rigoler. Je lui ai dit, est-ce que sœur, tu as à dire oui? Quoi? Je vais écouter ce que toi tu vas dire. C'est la fin du discours. J'ai dit, il y a des gens qui comprennent ce que c'est la parole d'un pasteur. Tu te souviens maintenant? Ah, tu l'avais dit par hasard peut-être. Vous êtes avec moi. Quand il y a de bonnes choses, il faut les dire haut et fort. Acclamez quand même pour la sœur. Vous êtes avec moi, Église? Les gens n'ont rien compris. Les gens viennent à l'Église, ils ne comprennent rien. Les gens ont des années dans la parole, ils ne comprennent rien. Les gens connaissent beaucoup de grandes choses, mais les petites, ils ne comprennent pas. Amen. Quand Frère Branham dit que, pasteur, faites attention, parce que les gens s'accrochent à ce que vous dites comme absolu, comme une histoire de vie et de mort, c'est quoi? C'est les gens qui ont compris que l'homme-là, quand il monte derrière la chair, amen, il est l'ange pour l'Église. Comme il est là derrière la chair, amen, il est assermenté. Même si les gens ont parlé, ils ont signé, ils ont fait dans les journaux, ils ont écrit des choses, qu'est-ce que le pasteur dit? Ce qu'il dit, c'est ça l'absolu, parce que lui, il a le serment. Comprenez la valeur de la parole du pasteur. Et parce qu'il est assermenté, aux yeux de Dieu, sa parole a aussi un grand pouvoir. Amen, Église. Amen. Je ne sais pas si je peux commencer déjà à entrer là-dedans. Non, non, il nous reste 10 minutes. Je ne saurais pas aller très loin. Amen, Église. Amen. J'essaie de placer ces choses-là, que vous puissiez comprendre. Alors, quand on dit que ça, c'est un serviteur de Dieu, il peut y avoir des problèmes. Toi, serviteur de Dieu, tu dois être intègre. Amen. Amen. Tu dois être d'une probité morale confirmée. Amen. Tu dois être un homme honnête. Pas cupide. Pas un homme léger. Parce que ta parole, frère, les gens peuvent parler, dire des choses et des choses et des choses. Moi, je vais demander, le diacre était là, oui. Qu'est-ce que le diacre dit? C'est ce que je vais croire. Pourquoi? Parce que je sais que quand une personne est diacre, elle est sous serment. Voilà ce que c'est un serviteur de Dieu. Voilà ce que c'est un administrateur, un trésorier. Tous ceux qui servent Dieu, ce sont des gens qui sont sous serment. Ils ont le serment, bien-aimés frères et sœurs, de défendre la parole de Dieu, de défendre le principe de la parole de Dieu, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Bien-aimés frères et sœurs, regardez un homme comme... Dominique Strauss-Kahn, l'un des grands hommes sur la terre. Mais il a été menotté par un policier. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné l'ordre. Il est sous serment. Amen. Amen. Parce que le policier est sous serment, on lui dit, arrête-moi telle personne, il part. Frère, si ton fils est policier, fais attention. Oui, oui.
Si on lui dit arrête ton père, il va t'arrêter. Attention, c'est comme ça, si vous ne le savez pas. Vous avez un enfant policier, faites attention. Un enfant militaire, faites attention. Pourquoi? Parce que pour être dans la tenue là, il a juré, il est sous serment d'obéir à la loi, de se soumettre à la loi, de se soumettre aux autorités, aux ordres de ses supérieurs. Alors quand le supérieur dit « arrête-moi telle personne », il ne va pas dire « oh, mais qu'est-ce que la famille va dire ?» Non. Non, vous devez comprendre, c'est pourquoi frère Branham, assermenté, Billy Paul va faire le désordre dans son mariage, frère Branham annule le mariage, Billy Paul divorcé. C'est parce qu'il est sous serment de se soumettre au principe de la parole. Amen, Église. Voilà pourquoi, même si tu es pasteur, tu as un enfant qui se comporte mal, tu commences la procédure de livraison au diable. Comme je l'ai fait avec ma fille, vous le savez. Elle a fait pipi devant la chair. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pouvais pas me détourner de ça. Je suis lié, je suis dans les chaînes de la parole. Pour faire accepter la parole de Dieu. Pour faire obéir la parole de Dieu. Je lui ai dit à la maison, attention, la voix que tu prends là, je t'ai parlé. Nous t'avons parlé, ta maman et moi. Tout le monde est au courant de la situation. Si tu n'arrêtes pas, je vais présenter la situation devant l'église. Elle n'a pas arrêté. Elle était assise là. Je suis passé devant l'église, je présentais sa situation. Je lui ai donné un délai pour la livraison. Elle a fait pipi devant la chair. Un homme sans Saint-Esprit, païen dans l'église, il va dire quoi? C'est un méchant. Mais un homme qui a le véritable Saint-Esprit, il va comprendre que l'homme est sous serment. Il respecte le serment. C'est comme ça quand on est serviteur de Dieu. Ça devient compliqué, bien-aimés frères et sœurs. Quand c'est la vérité, c'est la vérité. Quand ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la vérité. Quand on est serviteur de Dieu, ça devient compliqué. Frère Branham nous parle d'un pasteur. Son fils s'appelait Rasmussen. Qui connaît l'histoire? Qui lève sa main? Ok, que Dieu vous bénisse. L'enfant a commencé une mauvaise vie. Le papa, parce qu'il était pasteur, c'est-à-dire, il était sous serment. En quoi consiste le serment pour les serviteurs de Dieu? C'est de rester fidèle, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, au principe de la parole. Voilà pourquoi frère Branham dit dans Hébreux chapitre 2 et chapitre 7, deuxième partie, les véritables guerres sont menés pour les principes de la parole. Il a appelé son fils. Attention, avec la voix que tu prends là. L'enfant n'a pas écouté. Il a pris un témoin. L'enfant n'est pas... Il a pris encore un désert. L'enfant n'a pas écouté. Il est passé devant l'église. Il a exposé le cas. On donne le délai à l'enfant. L'enfant n'a pas écouté. On l'a livré au diable. Quand on le livre au diable, il sort de la maison. On ne mange plus avec lui, on ne communie pas avec lui, on ne le salue pas, on ne parle pas avec. Pourquoi? C'est l'acte d'amour pour la destruction de sa chair afin que nous puissions récupérer son âme. Voilà le véritable amour pour un père. Amen, Église. Il n'y a qu'un homme qui a l'Esprit de Dieu.
Il n'y a qu'un homme qui sait ce qu'il est en tant que serviteur de Dieu qui sera comme cela. Et il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui connaissent ce que c'est un serviteur de Dieu qui prendront en compte chaque parole qui sort de la bouche du serviteur de Dieu. Parce qu'ils sauront qu'il est assermenté. Celui qui t'a parlé chez toi à la maison, il est sous quel serment? Celui qui t'a parlé au téléphone, qui t'a parlé dans la rue, par un texto, amen, il est sous quel serment? Voilà ce que c'est un serviteur de Dieu. Il est sous serment. Et frère Branham dit, pour tous les serviteurs de Dieu déjà, je suis d'abord sur les offices, il dit, ils doivent se soumettre à l'enseignement de leur Église. Amen. Amen. Quand nous nous référons à la parole de Dieu, vous allez voir que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant nous, la parole de Dieu dit, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. La doctrine que les apôtres avaient donnée. Bien qu'il y avait des pharisiens, des hérodiens, de quoi encore? Des sadducéens, il y avait tout ça, c'était des dénominations. Frère Branham dit que c'était des dénominations. Et chaque dénomination avec sa doctrine et son enseignement. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit au commencement n'ont pas tendu les oreilles aux autres doctrines, à ce qui s'est passé ailleurs, mais ils écoutaient uniquement. Ils se battaient pour l'enseignement qu'ils ont reçu des apôtres, qui était la doctrine pour eux. Qui dit amen à ça? Amen. Voilà le comportement d'un homme qui a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que mon Église enseigne? Ça commence par les serviteurs de Dieu. Ça descend à leurs femmes. Ça descend dans toute l'Église. Sinon, vous êtes un hypocrite. Sinon, vous jouez à la duplicité. Vous êtes un menteur. Vous êtes un tricheur. Et avec toutes ces qualités-là, ce sont des qualités. Avec ces qualificatifs-là, tu penses vraiment avoir le Saint-Esprit, aller dans la présence de Dieu? C'est impossible. Frère Branham dit, les membres d'une église, avant même de toucher au serviteur, il dit tous les membres de l'église. Parce que pour être serviteur de Dieu, tu dois d'abord être membre de l'église. Amen. Il dit, les membres de l'Église croient l'enseignement de leur Église. Si votre Église ne croit pas à la cigarette, vous ne devez pas fumer. Votre Église ne croit pas à l'alcool, vous ne devez pas boire. C'est ça le véritable membre de l'Église. Et avant d'être serviteur de Dieu, on est membre de l'Église. Voilà pourquoi il dit, s'ils ne le font pas, ils combattent la chose même. Tout membre de l'Église. Nous rétablissons l'autel, bien-aimés frères et sœurs, parce que l'Église doit avancer. Amen, Église. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, j'essayais de revenir sur ces choses parce que je ne veux pas qu'on aille comme ça et après les gens ne comprennent rien. Non, ça constitue la base même. Et quand tu comprends la valeur d'un pasteur, Frère Branham dit, c'est par là que j'introduis et puis j'arrête, j'introduis déjà l'office du pasteur. Frère Branham dit, le vrai père qu'un homme a dans sa vie,
C'est dans le message, n'étais-je pas envoyé? Tu as eu un papa biologique. C'est la vérité. C'est lui qui t'a engendré pour que tu sois dans ce monde. Nous remercions le Seigneur et la parole de Dieu nous a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui dit amen à ça? Amen. Mais maintenant, frère Branham revient. Ça, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète. Il dit, le vrai papa qu'un homme a sur la terre, c'est son pasteur. Écoutez, l'autre, c'est le papa biologique. Mais le vrai, c'est ton pasteur. De la même façon, honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux, honore ton pasteur. Voilà pourquoi frère Branham disait, tout celui qui a la révélation cherchera à ce que son pasteur soit content de lui. Si une personne a la révélation, qui est le pasteur pour moi? Frère, ce n'est pas ton père dans le monde a des erreurs. Frère Branham parle de sa famille. Son père était un alcoolique. Vous le savez, non? Mais c'était le papa du prophète. Ce n'est pas pour ça que frère Branham a enlevé le nom de Branham et il est devenu Blair. Non, il est resté Branham. C'est le nom de son père. Qui dit amen à ça? Amen. Malgré l'opprobre de sa famille, il dit tout le monde ne voulait pas de moi. Mais ce n'est pas moi qui avais mal agi. C'est ma famille qui avait une mauvaise réputation. Mais c'était tombé sur lui. Tout le monde ne voulait pas de frère Branham à cause de la mauvaise réputation de sa famille. Mais frère Branham n'est pas sorti de cette famille-là. Quand son père est tombé malade et qu'il ne pouvait plus travailler, c'est frère Branham qui a pris la relève, la charge de la famille. Vous le savez, non? Amen. Et c'est ce que frère Branham nous enseigne. C'est ce que représente ton pasteur pour toi. Je suis obligé de vous enseigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Qui pensent que le travail du pasteur, c'est lire des citations et boire l'eau et partir. Non! C'est le vrai père que tu as. C'est ton confident. C'est la personne qui doit porter tes fardeaux. C'est la personne qui sera avec toi dans les moments difficiles. C'est ton pasteur qui sera avec toi jusque dans l'éternité. Frère Branham dit, je pose juste les bases, l'air est à toucher à sa fin, excusez-moi. Frère Branham dit, il n'y a personne dans l'église, amen, qui peut avoir l'onction plus que le pasteur. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Hein. Quelqu'un va venir commencer à gesticuler, sauter sur les bancs, tout ça. Tout le monde est... Frère Branham dit, il n'y a personne dans l'église qui peut avoir l'onction plus que le pasteur. Quand nous retournons dans psaume 3, et psaume 103, amen, regardez ce qui se passe. La parole de Dieu dit, l'huile. Amen. Il est bon et agréable pour que les enfants de Dieu demeurent ensemble. Vous avez écouté ça? Maintenant, c'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron, le sacrificateur. Descend sur sa barbe et va jusque sur les pans de sa robe. Vous êtes avec moi? Et la parole de Dieu nous a montré la révélation. Les pans de la robe, c'est la suite. Et remarquez que pour que l'huile arrive sur la robe, elle est versée sur la tête. Et la tête de l'église locale, c'est le pasteur. Dans tous les messages écoutés, même dans l'ordre des 63, quand frère Branham dit que l'église locale, c'est un corps, il dit que le corps ne peut pas avoir deux têtes. Voilà pourquoi le pasteur associé,
c'est la brebis du pasteur. Amen. Mais quelqu'un va se lever avec, si c'est qu'il y a n'importe combien de démons, il va commencer à vous montrer que non, regardez, le pasteur a fait ça. Et les gens croient. Il est qui? Il a prêté serment où? Qui est-il? Quelqu'un qui sort comme ça, je ne sais pas si c'est de l'enfer, si c'est où. Et les gens croient. Pourquoi? Mon peuple meurt par manque de connaissance. Voilà pourquoi il est très important que l'Église soit enseignée. J'ai vu à Kinshasa là-bas, je vais arrêter là, le pasteur cède la chaire à quelqu'un, il va prêcher. La personne passe derrière la chaire, il commence à prêcher des prédications contraires à ce que le pasteur a enseigné à l'Église. L'Église est restée calme. L'homme continue. L'Église est restée calme. Il continue. Une personne s'élève. Séduction. Séduction. L'autre s'élève. Séduction. Toute l'Église s'élève. Séduction. 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 Et l'homme a arrêté sa prédication. Il a fermé son sac. Il est parti. C'est ça les gens enseignés. Ça là, qu'est-ce que ça signifie? C'est exactement ce que le serpent a fait dans le jardin d'Éden. Vouloir montrer à Ève que Adam est incapable. Moi, je suis plus viril. Je peux faire mieux. Et Ève est tombée dessus. Voilà pourquoi il y a des croix partout. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui des cimetières, il y a des hôpitaux partout. Et quand la parole de Dieu dit que le pasteur est le mari spirituel de l'Église, voilà ce que ça veut dire. C'est lui qui ensemence l'Église. C'est lui qui fixe le cap. C'est autour du pasteur que toute l'Église se trouve. Maintenant, quelqu'un qui vient, il commence à jeter une autre semence, c'est de la séduction. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Ève a dit, c'est Satan qui m'a séduite. Voilà ce que Ève a dit. Et Frère Branham définit la séduction comme le mensonge. C'est un mensonge par rapport à la vérité de l'enseignement que votre pasteur vous a donné. C'est de la séduction. Et l'Église doit se réveiller. Comprendre que la responsabilité de ton âme, tu ne l'as pas donnée à deux personnes. Quand tu as choisi un pasteur, tu as pris ton âme, ta destinée éternelle, tu as reposé dans la main d'une personne. Tu fermeras tes oreilles, la matrice de tes pensées, ta mémoire et tout ton être contre toute autre semence. Parce que même devant Dieu, comment tu vas te justifier? Parce que Dieu te dira, mais non, mais il n'était pas ton pasteur. Tu as fait la débauche. Tu as commis adultère. Non, mais c'est le pasteur qui l'avait laissé prêcher. Oui, mais le pasteur t'avait enseigné. Le pasteur t'avait averti. Frère, c'est plus que sérieux ce que nous faisons. Car notre destinée éternelle en dépend. Nous allons revenir sur ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, vous pouvez vous lever, nous allons terminer. Oh, crée à moi un cœur pur. Oh, Seigneur, renouvelle et affermis mon esprit.
Nous te remercions, Père, car nous croyons que dans les bruits que nous venons de faire, tu as pu parler à quelqu'un. Et nous te demandons d'arroser, Seigneur, la parole de ton esprit afin que cela produise le fruit du message du temps de la fin. Merci de bénir toutes les oreilles qui ont écouté et les cœurs qui ont reçu. Nous remettons le retour à toi, te demandant aussi de bénir le service des dîmes des offrandes que nous t'avons apporté et de bénir le travail au Père qui a procuré ces dîmes et ces offrandes. Sois loué, Père. Merci de continuer à rétablir l'autel. Nous avons besoin du feu, le vrai feu venant de toi, Seigneur. Accorde-le-nous pour ta gloire et pour notre joie. Nous le croyons, car nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du prophète William Marion Branham. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.